Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard et de l'Hérault. Et dans les titres, pour commencer, le drame à Aramont dans le Gard. Hier soir, une quinquagénaire et son fils ont trouvé la mort, tués vraisemblablement par une arme à feu. 4000 hectares de vignes irriguées dans la région d'ici 2015. L'Europe autorise cet arrosage raisonné pour aider les viticulteurs souvent pénalisés par le manque d'eau en Languedoc-Roussillon. Lavez votre chien en moins de 5 minutes, c'est ce que propose une laverie de Montpellier. À côté des machines dédiées au linge, on y trouve depuis peu un lavomatique pour chiens. Et puis, pour terminer, la programmation 2013-2014 du Théâtre de Nîmes dévoilée hier. Une saison placée sous le signe du rêve et du voyage. Et on commence avec cette opération de police en cours actuellement au quartier Aiglong à Montpellier. Une fouille approfondie des immeubles après la découverte d'une cache d'armes dans le secteur par le SRPJ de Montpellier. La condamnation à perpétuité du meurtrier de Ludmila ce soir par la cour d'assises de l'Hérault. La jeune femme avait été tuée de 8 coups de couteau dans le tabac de ses parents, quartier hôpitaux faculté à Montpellier. C'était le 10 août 2010. Après avoir reconnu les faits en garde à vue, l'accusé s'était rétracté. Et ce soir, le jury d'assises a donc condamné chez l'accusé à perpétuité avec interdiction définitive du territoire. La mort de deux personnes dans un mas isolé à l'écart d'Aramont, dans le Gard, hier soir. Une mère et son fils vraisemblablement tués par arme à feu. Vers 22h30 hier, la quinquagénaire et son fils âgé d'une trentaine d'années étaient encore en vie à l'arrivée des secours. Ils sont morts quelques instants après des suites de leurs blessures. L'enquête a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Nîmes. C'est une mesure exceptionnelle qui doit aider les viticulteurs du Languedoc-Roussillon à produire mieux et de façon plus régulière. La région a obtenu de l'Union européenne, l'autorisation d'irriguer 4000 hectares de vignes. 13 projets dans l'Aude, le Gard, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales sont concernés. Une partie de cet arrosage va d'ailleurs être financée par les fonds européens. Un exemple dans le pays d'Anserune où un système de goutte à goutte a été testé il y a 2 ans. Morgane Jacob et Coralie Pierre. 650 hectares de vignes équipées d'un système de goutte à goutte, une solution pour les viticulteurs face aux sécheresses estivales et dans les règles. Alors qu'en Europe, il est interdit d'arroser les vignes, l'irrigation raisonnée est un bon compromis. Là, on s'aperçoit, il y a plus de dynamique sur le vignoble, les vignes se portent mieux et les rendements sont là, corrects, sans exagération. Et les produits sont surtout là pour les consommateurs, donc nos clients, quoi. Et l'intérêt, c'est vrai, c'est pour le groupe, c'est d'amener un peu plus de rendement, mais aussi de faire tenir sur le territoire les viticulteurs. À l'origine de tels résultats, un savoir-faire directement importé d'Argentine et adapté aux caractéristiques de la région. Climat et sol ont été méticuleusement étudiés ces 3 dernières années pour une application optimale. Dans la région vinicole de l'Argentine, il n'y a pas de culture, ni de la vigne, ni de qu'une autre culture si on n'irrigue pas. Hein. Donc nous, on a la culture de l'eau, et cette culture de l'eau, c'est chaque litre qu'on utilise pour l'irrigation, il doit être utilisé le maximum. Des compteurs à chaque coin de vigne, et l'eau est diffusée au millilitre près. Des techniques économes pour des retombées économiques, une initiative de la région soutenue par Bruxelles. Le but, maintenir une production viticole stable et dynamique pour étendre la présence des vins régionaux sur la scène internationale. Cette production de ces viticulteurs-là, de ces 4000 hectares, ira intégralement à l'exportation et ce sera bon pour nos chiffres économiques de la France. Ça participe à redresser la France. C'est bon pour le porte-monnaie de nos viticulteurs, mais c'est bon pour l'économie de la France également. Toujours dans cette double perspective de maîtrise de l'eau et d'essor du secteur viticole, un nouveau dispositif devrait voir le jour dès la fin des prochaines vendanges. Le réseau Aqua Domitia qui prévoit un prélèvement d'eau du Rhône pour abreuver encore davantage les vignes de la région. Politique à présent et Olivier Lapierre suspendu par le bureau national de l'UMP ce matin. Une sanction qui ouvre la voie à une procédure d'exclusion. Elle a été réclamée par la fédération gardoise du parti en lundi en réaction aux déclarations du conseiller général et ex-maire de Saint-Gilles. Sur les ondes de France Bleu Gard Lozère, Olivier Lapierre annonçait qu'il soutiendrait une candidature du député Front National Gilbert Collard dans son ancien FEF lors des prochaines municipales. Il a
présent plusieurs jours pour s'expliquer devant les instances nationales de l'UMP. Et puis la suite des tractations au PS pour déterminer qui conduira la liste aux élections municipales à Montpellier. Hier soir, ce sont les 4 des 17 signataires d'une lettre ouverte aux instances nationales qui étaient reçues à Paris. Ces élus montpelliérains réclament des primaires internes. Ce soir, ce sont les 4 candidats potentiels qui sont convoqués à Solferino pour une ultime réunion de concertation. Laurent Beau, l'adjoint au maire Philippe Sorel, le maire sortant Hélène Mandrou et le président de l'agglo Jean-Pierre Mour sont toujours sur les rangs pour l'investiture socialiste. Si aucun accord, même partiel, n'est trouvé ce soir, des primaires ouvertes pourraient être imposées par la direction du parti. C'est un espace vert de 1200 mètres carrés au cœur de Montpellier. Fermé au public de longue date, le jardin de la Reine jouxte le jardin des plantes. Aujourd'hui, l'État a l'intention de vendre cette parcelle. Le parc est protégé, mais le bâtiment annexe pourrait intéresser les promoteurs privés. Les riverains se mobilisent donc pour que le jardin soit rendu au public. Reportage Olivier Roy. Une porte s'ouvre sur un parc abandonné, libéré par un collectif de riverains motivés. Ils veulent défendre ce jardin de la Reine, un écrin de verdure de 4500 m2 au cœur de Montpellier, entre le Pérou et le Jardin des Plantes. Une jungle en pleine ville que l'on découvre pour la première fois, le temps d'une visite et d'un pique-nique. Bon, aujourd'hui, le ciel est gris, mais on imagine l'intérêt de l'ombrage. En plein été, et puis la fraîcheur là, et toutes ces fleurs, c'est assez magnifique. Je suis impressionnée de voir une telle végétation, un jardin qui n'est pas entretenu malgré tout. Tout pousse sans soin, et voilà, et c'est magnifique. Sauvons le jardin de la Reine, c'est le nom du collectif qui a appris que ce parc et son vaste bâtiment annexe allaient être vendus par l'État et le rectorat. Pas question pour les riverains, ils souhaitent que cet espace soit rendu aux Montpelliérains. On va essayer de faire beaucoup de choses dedans parce que les gens du Jardin des Plantes aimeraient bien récupérer une partie de ça puisque c'est le périmètre historique du Jardin des Plantes, hein, qui est le plus ancien jardin botanique de France. Donc ils aimeraient bien pouvoir en faire un espace de sensibilisation dans lequel les écoles pourraient venir, les écoles de la ville. Et puis nous, on a des projets de jardins partagés, de potagers, de jardins d'agrément. Et l'association de riverains en appelle aux collectivités pour sauver ce lieu historique. Une pétition a aussi été lancée. Elle a recueilli 1000 signatures pour que le jardin de la Reine devienne un vrai parc public. Et demain, une délégation de cette association de riverains devrait être reçue par l'adjoint au maire à l'urbanisme, Michael Delafosse. Le futur plan de gestion des déchets de l'Hérault, pointé du doigt par un collectif interassociatif. Parmi ces associations mobilisées, les riverains du centre d'enfouissement de Castries, de l'incinérateur de Lunel-Vielle ou encore de l'unité de méthanisation améthyste à Montpellier. Tous dénoncent la version 2014 du plan départemental qui prévoirait une gestion globale de la collecte des déchets, privilégiant l'incinération et non le tri des ordures. Écoutez. Nous voulons créer les conditions d'un débat public avant les municipales, puisque nous avons le plan départemental des déchets qui va rentrer en fonction de l'année prochaine et que son application va être relativement catastrophique pour le traitement des déchets dans notre département. Ce plan ne correspond qu'à l'intérêt des grands lobbies industriels du traitement des déchets. En deux mesures phares, on amène la zone de traitement à une seule zone dans tout le département. Ça favorise les industriels, mais ça n'est pas intéressant pour l'écologie du traitement des déchets. On a redéfini le statut de déchets ultime afin de pouvoir faire fonctionner Améthyste, qui ne fonctionnant pas et mettant en décharge des matières organiques polluées, n'avait pas le droit de les mettre en décharge. Avec le nouveau plan, elle pourra librement polluer la décharge de Castries. Une initiative insolite à Montpellier où un lavomatique pour chiens a été installé. L'idée vient d'Espagne et c'est le propriétaire d'une laverie à deux pas de la Comédie qui a importé le concept. Le principe est simple, il suffit de faire entrer le chien dans la machine et de lancer le programme de lavage. En moins de 5 minutes, l'animal est donc shampouiné et séché. Les détails, Adrien Linière et Quentin Le Petit. Ne vous y trompez pas, mais ceci n'est pas un micro-ondes ou une machine à remonter le temps. Il s'agit tout simplement d'une laverie pour chiens. Inventée en Espagne, le principe est simple. Offrir un lavage et un séchage à son chien en moins d'une demi-heure. Moyennant 10 euros, le chien est aspergé d'eau et de shampoing pendant 4 minutes avant d'être séché. Nous avons beaucoup de chiens chez nous. Et toujours un problème pour le laver. Enfin, la baignoire, c'est très difficile. Et aussi les toiletteurs, très cher.
Et c'est pour ça que j'ai vu la douche pour les juments aussi, avec hydromassage, c'est un concept pareil. Je dis pourquoi non pour notre chien. Un système d'hydromassage bénéfique pour l'irrigation sanguine et évite que la graisse protectrice soit éliminée. Une machine qui s'adresse également aux chiens nerveux et de grande taille, pas forcément acceptée en salon de toilettage. Une idée qui a séduit ce propriétaire de laverie. Et c'était en regardant un reportage aux 30 millions d'amis, donc qu'Eduardo y présentait sa machine. Donc c'est là que j'étais interpellé par cette machine. Donc j'ai passé un coup de fil à Eduardo. Donc il m'a invité à voir la machine en Espagne. Il m'a fait une démonstration dans un salon de toilettage. Et j'étais conquis par la simplicité de cette machine. Dosée et contrôlée par ordinateur, cette machine permet de faire des économies d'eau et de shampoing. Conçue en collaboration avec des SPA et des écoles vétérinaires, son efficacité est d'ores et déjà reconnue. C'est très bien, ça prend moins de temps, ça prend moins de travail, parce qu'on le met, après ça fait tout, plus besoin de se mouiller. Une alternative efficace pour laver son chien en même temps que son linge. Attention quand même à ne pas confondre les deux machines. La programmation 2013-2014 de l'Opéra et Orchestre de Montpellier a été dévoilée aujourd'hui, notamment par Jean-Paul Scarpita. Il met à nouveau en scène Mozart avec cette fois-ci l'Opéra Così fan tutte, une saison qui fit la part belle aux grandes œuvres et que le directeur, sur le départ, a voulu tréguer. Écoutez. Comme il manque un directeur musical, c'est important qu'on s'appuie sur des gens qui ont une connivence avec l'orchestre, une complicité d'une musicale, quoi, très forte. Donc moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur les programmes avec des grandes œuvres comme Berlioz, Beethoven, la 9e de Beethoven à Eldoné, hein, c'est l'hymne à la joie. Donc autour de ça, on a construit une saison, j'espère, dans la joie, malgré tous les problèmes qu'on vit, qu'on a traversés. Encore une fois, je répète, ils sont souvent injustes et injustifiés, ces problèmes. Personne n'est à l'abri d'une erreur, mais quand on vit une injustice, c'est toujours très difficile. Heureusement que la musique vous donne une manière de vous dépasser, d'aller dans le prolongement de votre pensée et de vos goûts. De la musique, mais aussi de la danse, du théâtre ou encore du cirque, le tout placé sous le signe du voyage. C'est ainsi que s'ouvre la nouvelle saison du Théâtre de Nîmes, présentée hier au public. Les détails avec Camille Michelan et Stéphanie Humann. Made in Dream, c'est le slogan de la nouvelle saison du Théâtre de Nîmes. Placé sous le thème du voyage, cette saison 2013-2014 se veut être un livre ouvert sur le monde. C'est une invitation au voyage, mais pas au voyage où on l'entend actuellement, où on est consommateur du voyage, mais plutôt au voyage pour s'initier à la culture des autres et faire venir à nous cette culture qu'on ne connaît pas et quelquefois dont on a peur et qui serait bon d'apprivoiser. Le Théâtre de Nîmes propose aux spectateurs un voyage à travers des pays inattendus. L'Iran, le Pakistan ou encore Madagascar font partie des invités de cette saison. C'est donc toute une culture et une approche artistique différente que le théâtre souhaite découvrir avec son public. L'essentiel et ce qui importe réellement, c'est le contenu de ce que ces artistes amènent, apportent avec eux. Oh, c'est ça qui prédomine. Donc on a l'habitude de travailler sur ce terrain-là. Moi, je voyage beaucoup, je vais voir tous ces spectacles. Et quand je reviens de voyage, je reviens déjà avec des éléments qui font que la machine ici peut se mettre en marche. À cette programmation s'ajoutera notamment Inconnu à cette adresse, joué par le célèbre duo de Thierry Lhermitte et Patrick Timsit. La billetterie est déjà ouverte à l'abonnement. Pour les autres, rendez-vous au mois de septembre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu ce soir dès 10h sur TV Sud. Toute l'info régionale, nationale et internationale est dans le 22 minuit présenté par Julien Desvages. Quant à nous, on se retrouve demain à 12h30 et 19h30 pour vos éditions locales. Passez une très belle soirée sur TV Sud.